السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous commençons en premier, chers frères et sœurs. Nous voulons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala permette nous de dire le namaz Isha, surtout le premier rakat, quand l'imam finalement dernier parti de surah qui est avec nous, veut dire surah 31, surah Luqman. Mais à chaque fois qu'on nous dit Ali, peine une surah de Coran en tant qu'une surah qui est pour relier à ce qui vient après. Peine une surah de Coran dans son contenu, excepté qu'ils ont besoin d'une relation. L'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala descend un surah appelé surah Talaq, surah 65. En première vue, le titre divorce nous gagne l'impression, veut dire dans sa surah là, Pouena, ne pas dire tout, majorité, grande partie, la loi concernant Talaq. Mais seulement quand nous guettons lit dans le Coran, nous vous trouvons majorité, la grande partie, règlement, Kouma d'un Talaq, N, D, 3, ensuite concernant règlement, enfants, après avoir qu'ils séparés, une copine séparée, nous trouvons l'idée de surat al-Baqarah. Les temps nous guettent surat al-Baqarah, astir, l'ivédi à la vache. Les temps nous guettent, nous disons, qui relâche au divorce avec une vache? Mais seulement les temps nous guettent, hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, par exemple, Shaitan pas costé avec un lakaz qu'il y a sur la Surat al-Baqarah. Comme vous dites hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam quand il dit ta'allamu Surat al-Baqarah, apprends Surat al-Baqarah, fa inna akhdaha baraka, certainement quand tu l'y as, tu as une bénédiction, wa talkuha khasara, quitte-li, tu as besoin de destruction, la yastatiruha al-batala. Un qui est toussé pour la sauce et il rit pour mes sens, il y a qu'à prendre sa sourde là. Il y a qu'à prendre sa sourde là. Les temps où il y a ce hadith là, un divorce, une séparation, c'est un travail chez toi, oui, non. Parce qu'il y a un prix pour ça. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à nous, tout le monde chez toi réunit dans la mer après Maghrib, Iblis le se trône, lui demander qui s'en a fait faire plus bon travail pour lui récompenser. Ce qu'a qui un salarié, il dit, toi, Vinna, qui te le fait? Il dit, moi, je fais grand travail, moi. Il dit, mais qui te le fait? Il dit, moi, je rentre dans un couple, moi, je fais autre, discuter. Et ce qu'a qui, moi, ne sais pas autre. Il dit, certainement, tu ne fais plus bon travail aujourd'hui. Il veut dire, quand ça ne prend place là, que c'est un qui ne fait pas ça à l'orgueil. Chez toi, qui sourat qui nous lie, qui sait pas, qui est loin chez toi? Surat al-Baqarah. Donc la loi divorce que devine à l'os de Surat al-Baqarah. C'est le principe Coran. Capable, une personne, quand il peut essayer d'assister loin de sujet, il a tendance à mettre dans le chapitre divorce. Mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas comme ça. Quand nous sommes sur Luqman, le titre fini à tiens nous, c'est nous une personne, nous une djimoun. Majorité de bandes savants fait nous connaître qu'il n'est pas un prophète. Quand nous cause Luqman lui-même lit, plus grand qu'une chose qui peut venir concernant lui, malgré qu'il y en a pas les autres paroles qu'il dit, qui finit vers nous, c'est concernant la relation de conversation antique ce garçon, quand il conseille ce garçon. Mais de ce jour-là, à la fin,
Sorry. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit de ayat 33, Ya ayyuhannasu taqu rabbakum. Oban dimoun, oban dimoun. Dimoun, humain, humain. Pays autre rob. Wakhshaw yawman. Pays sa jour, la yadzi walidun an waladihi. Wala mauludun huwa jazin an walidi. Oban dimoun. Pays autre rob. Et pire ça joue que un parent pas capable de profiter de ses enfants. Et ni un enfant pour capable de profiter de ses parents. Dites que tu as l'amène ça. Nous vivons un pas avant, nous trouvons le commande de cause avec ce garçon. Il peut faire tout pour profiter de ce garçon, oui ou non? Mais seulement en tant qu'un papa, mais seulement en tant qu'un garçon, même ton papa Luqman, ta conversation il est enregistrée dans le Coran. Pourquoi papa là pour faire quelque chose pour toi seulement? Toi garçon, même ça qui ton papa il dit à toi, il met dans le Coran. Pourquoi tu profites de papa? Veut dire jour qu'il Nafsi, nafsi, ça ken la ou non? Nafsi, nafsi, frère. Puis il y a personne pour capable profiter de personne, hein? Qui calte, mon content, mon michier, mon content, mon madame, mon content, mon bans enfant, mon content, mon petits enfants. Pas besoin, non, hein? Ça, l'amour humain, l'irrédié. Mais seulement quand on vient devant Allah, nafsi, nafsi, ça ken get so nafs. Ça qu'elle vous profite pour protéger, résister tout seul. L'étant une personne qui lit le Coran, qui rentre dans le verset là, qui get sa conversation là, qui trouve quantité l'attention, quantité l'importance, quantité sa papa là, péoulé, du bien pour ses enfants là. Mais seulement quand ça n'est pas profite, lui, le dunya, il ne va d'akhirat. Le dunya. Tant que tu n'as pas fait pour tes enfants l'eau la terre, fais-le. Fais-le. Tant que tu n'as pas fait quelque chose pour ton papa à ce terre-là, fais-le. L'une décédée, fais bon, ça n'a pas déjà rien pour lui. Mais là où pas la cause, tu es un imam. Vous êtes venu. Non, tu as besoin de permission à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans qui sourd nous redire, il amène ça. Ça, c'est vrai. Excepté l'inaméni de Sourah Luqman. Zis pour qui, après avoir qu'il nous guette la grande conversation entre Luqman et ce garçon, nous rappelle nous-mêmes. Malgré une conversation pareille, malgré un papa pareil, il restait qui? Il restait qui, jour qu'il y a main, pas pour une personne pour profit, personne.